T'es où, P.O.? J'ai su le Blue Nose. À la barre du Blue Nose. Fais pas attention. Ok, non, ça c'est ta vidéo, excusez. Hey, y'a du monde, hein? Ben, c'est la grosse affaire, hein? C'est la grosse affaire, le genre de public. Fait que là, ben, on visite Halifax. On est avec les parents de PO, puis là, on est au Public Garden. Puis c'est l'automne, il fait frais. Rien pas tout. Mais c'est beau. Quoi, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, PO, d'acheter? Un magasin général. des gros hooks, ah. Des gros hameçons, des aiguilles pour la voile. C'est avec le dinghy bien rempli de stock qu'on a quitté le bateau pour quelques jours avec l'intention d'aller jouer aux touristes dans les petits villages autour d'Halifax. On était à Peggysco. Non, Terrence Bay. Terrence Bay. Puis c'est ça, on vient de louer, on a loué un Airbnb, puis ça c'est la galerie avec la vue sur... On voulait pas trop s'ennuyer là, de l'eau. Fait que c'est bien beau. Faut pas dépayser mon père qui est un pêcheur. Ouais. Pêcheur, ah, pêcheur à jumelles. Le bateau qui vient à l'horizon. On va manger du poisson à soir. Après avoir, nous aussi, photographié le célèbre phare de Piggy's Cove et déambulé dans les rues du petit village ancestral, on a continué notre route. Notre destination, Lunenburg, ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on comprend pourquoi en voyant son architecture unique. Each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall. Positivisme, c'est la clé du succès. Hein? Parce que je pensais que tout allait pas rentrer. Regardez comme on avait du stock, on avait ça. Tout ça, la litière, le gros sac, la guitre. Ça a tout rentré. Ça rentre, faut rien que vouloir. Ouais, je... Tu Martin, comment tu te sens d'être revenu sur le bateau? Correct? Oui. Oui. Fait qu'on est de retour en ville. Puis on voulait venir en bateau ici au quai, au centre-ville, mais on peut pas parce qu'il y a un festival ou un concours de pêche au thon partout. Fait que tous les quais sont réservés pour les bateaux de pêche. Puis là, checkez ça. En fait, là, c'est fini. Puis il y a un gros thon sur le quai. Checkez bien ça. Je sais pas si vous voyez l'échelle, là, tu sais, avec le petit gars qui est là. C'est immense. Ah, le petit gars de chalet. Fait que là, on fait un petit tour de bateau avec regarde, les parents. C'est ça, vous allez voir, là, ça c'est pas mal le premier exemple, pas le plus beau, mais des petits beaux tasses comme fait des petits chats qui répliquent la maison qui font un deck. Regarde, elle ouais, est pas mal plus belle. Ouais. Puis on s'en va au centre-ville. Finalement, on s'est dit qu'on allait sûrement avoir de la place.
much, too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Fait que là, on va faire un petit souper avec un petit œil sur le bateau qui est en face. But when I think of you, another shower starts. Into each life, some rain. Bon matin! Fait qu'on se réveille super tôt. On est au centre-ville d'Halifax. C'est spécial se lever puis être dans une grosse, grosse ville. Puis là, on s'en va faire des commissions. C'est la dernière journée que les parents de PO sont là. Fait que dernière journée qu'on peut profiter d'une voiture aussi. Fait qu'on s'en va faire ça aujourd'hui. Puis plus tard dans la journée, ben, on va partir puis on va faire un petit bout de chemin. Probablement vers Sambro. Ben là, on vient juste de partir de Halifax. On s'en va pas loin d'ici à Sambro Allen. Une petite nappe de, je sais pas, 3 heures, 4 heures max. Pour aller dormir. Puis demain, on se dirige vers Lunenburg déjà. On y retourne en fait. Mais en bateau cette fois. Mais en bateau, là. Matin dans le bateau. Il fait vraiment pas chaud, puis ça gicle de partout. Tu veux que tu frappes? Mais fais un café. Mais c'est super beau dehors. On sera pas resté longtemps ensemble, beau. Même pas eu le temps de sortir de notre sombrero. Ça peut déjà passer à sombrero, sans beau. Black rain, where can I go? When you leave me nowhere to run. And love, it don't die, it just goes from girl to girl. Town to town, rose to rose, all around the world. Like a ghost upon a breeze in the land of elegies. Je suis venue en auto ici, Martin, mais tu t'en rappelles pas. Il n'a pas débarqué. Ouais! on est allé à Lunenburg, puis
On avait fait exprès de s'en venir ici pour se cacher parce qu'on savait qu'aujourd'hui, il allait avoir vraiment fort de vent. Hein? Fait que là, on est attaché à un mooring. Puis ça brosse, là, comme ça, on est en navigation. Il y a de la bonne vague dans le bébé. Fait que là, moi, j'ai full mal au cœur. Puis je suis comme invalide. Là, j'ai pris une petite granule pour le mal de voyage. Transport. Fait que j'attends de voir si ça va faire effet. J'espère. La journée va être longue, sinon on est le matin. Qu'est-ce que tu fais, maintenant? Un bain de pied. Parce que j'avais les pieds gelés! Vraiment gelés! Fait que là, j'y mets dans l'eau chaude. Il fait froid dans le bateau. Ça sent la friture! Ouais! Ça sent pas la friture! Qu'est-ce qu'on fait? On quitte Lunenburg! On quitte Lunenburg et sa friture! Ben, par une journée un peu brumeuse pour aller rejoindre Liverpool! Dans le prochain épisode, on fait une traversée assez mouvementée vers un petit port vraiment sympathique. On visite le village coloré de Shelburne. Et on quitte enfin le Canada pour la grande traversée vers les États-Unis. Si vous voulez nous encourager à continuer nos vidéos, vous pouvez le faire via notre site Patreon. Ce site permet au public de contribuer financièrement à chacune de nos vidéos par de petites sommes qui, au final, font une grosse différence. Rendez-vous sur patreon.com/le voilier orange.